Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 4. Donc, on va encore en train de fouiller, on est encore en train de fouiller un petit peu cette ville. Avec les différentes choses qu'il y a dedans. On peut y voir aussi un petit peu, hop, de bordel. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore de vendeur pour autant. Que je suis plus ou moins toujours en train de me balader en dehors de la quête principale. Ah, j'ai pas réussi à sauter. Il va y avoir moyen. Non, apparemment il veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Apparemment ce serait potentiellement parce que j'ai une espèce de toit sur la tête en fait. Il veut pas que je saute parce que j'ai une espèce de toit sur la tête, effectivement. Donc j'ai un toit invisible en fait. C'est génial. Alors j'aimerais bien savoir s'il y avait ou pas quelqu'un ici. Là il y a une porte qui s'ouvre. Maison de correction. Allons voir. Allons voir, allons voir. Qu'allons-nous y trouver? Espèce de grosse machine, des détritus partout. Pourquoi pas, un bureau. Vide, qui plus est. Use your head. Est-ce que c'est un conseil vraiment utile ou pas? Hop les. Un hocher, bah écoute, je vais le prendre. Sac de voyage, un deuxième pistolet de 10 mm. Un vrai. Ça c'est intéressant. Alors je vais quand même essayer de me soigner un petit peu. Boucher d'écureuil, bombe sucrée. Eau purifiée. Eau purifiée. Hop. Ça monte. Parfait. Ce qui fait que je retrouve en fait ma capacité à me mouvoir à une vitesse normale en fait surtout. Alors, est-ce qu'on peut encore monter? Apparemment oui. Oula. Pourquoi pas? Manuel brûlé. Rien d'intéressant par là-bas. On peut encore monter, on arrive sur le toit, j'imagine. Le toit de la maison de correction. Ce qui peut être intéressant en soi. Hein. Alors. Si je descends là, je ne pourrais pas remonter. Cependant. Est-ce qu'il y a un meilleur endroit où descendre? Là, je finis dans la rue. Ok. Et là, je finis sur le toit de cette maison-là. D'accord, ok. Donc, c'était déjà visitable, tout ça, avant. Donc, ça se rappelle un épisode d'Assassin's Creed, hein. C'est tout bonnement ça. Alors là, je viens de voir quelque chose que je reconnais. Pulowski. Non, non. L'endroit est assez grand. Oh, l'armure, elle fout limite les boules. Hein. Soyons honnêtes. Elle fout limite les boules. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Des spots. Des fusibles. Je prends les fusibles. Vous portez trop de choses sur vous. Mais non! C'est dans ta tête! Je sais pas ce que c'est que la goudrelle. J'espère que c'est pas une drogue. À vrai dire, je n'ai aucune idée de ce que c'est.
Oh la vache, ça m'a foutu les boules cette histoire. Ok! Encore un endroit qui ne mène strictement à rien. C'est dommage. Pourquoi t'as grogné? Y a tout qu'à grogner, c'est bizarre. Bon! Cependant, il va falloir qu'on aille chercher une vraie ville. Tampines Buff ou Diamond City. Qui est super loin. Parce que si je vais là, on va retourner à la Sanctuary, voir est-ce que je peux vendre des choses à certaines personnes. Est-ce que je peux vendre des choses à certaines personnes? Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Alors. Bonjour. Ah bah il y avait un atelier d'armes ici en fait, c'est cool. Voilà, ce pistolet 2 mm là, j'aimerais... Voilà. Parfait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut modifier sur le cran d'arrêt? Une lame dentelée. Oh, c'est pute. non, c'est naze, on va quand même la virer. Hop. Mousquet laser, je vais le garder. Ah, c'est sympa. De rien. Quoi? Vous revenez de loin, pas vrai? Vous n'avez pas idée. En l'espace de quelques mois, on a tout perdu. Je vois. Il est mort. Je comprends très bien. Je connais ça. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. Mais vous et moi, on est encore là, pas vrai? Il faut tenir bon. Pour eux. Il a raison. S'il a raison, c'est une excellente raison de rester. Je savais que vous... Hop, casse-toi par contre, s'il te plaît, merci. J'aimerais voir ici ce qu'on peut rajouter à cette arme. Canon, grand chargeur, grand chargeur, nanana. Je préférerais être seul pour le moment. Ok, bah on va faire ça. Parfait. Une poignée confort. Parfait, on fait ça aussi. Hop. Donc là, on a un bon flingue. Au niveau des autres armes. Ce serait cool de trouver... Qui fait mal, qui fait mal. Ah non, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Merde. Il faudrait ramener la... D'accord, je pense qu'il faudrait réussir à ramener la truc ici. Alors, je vais tenter un truc maintenant. Je peux recycler cette table par exemple. Ou celle-ci. Ou la radio. D'accord, intéressant. Intéressant. Ça, c'est vraiment bon à savoir. Par exemple. Ces pneus. Putain, c'est casse-couille. Non, ces pneus-là. Bah, elle a complètement bugué. Vous voyez, j'ai plus d'interface du tout. Hop, alors on va essayer de refaire un truc. Sauvegarde rapide, F9. Alors. Il est complètement bugué. Oh putain, t'es sérieux? Ça y est, je suis sorti. Ouh, c'était d'une violence. F5. Voilà, donc là normalement je suis censé être en mode recyclage. Mais le mode recyclage ne fonctionne plus du tout. C'est génial. Et du coup il est en train de me chier dans la colle. Et genre pour de vrai. C'est cool. Ça y est, je suis revenu en mode normal. Voilà, là je peux recycler à nouveau. Donc, par exemple, si je veux recycler le chien, je peux recycler le chien. Hop.
Ok, ok. Donc ça marche très très bien. Ah, intéressant. C'est vraiment intéressant. Si je veux recycler le pneu, est-ce que je le peux? Caoutchouc 4, d'accord. C'est vraiment génial. Ok. C'est pas bête. Par exemple là, si je veux recycler tout ça... Non, c'est pas le chien que je veux recycler, c'est le pneu. Merci. Le ballon, je vais pas le recycler. Non, 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 faut pas être con non plus. Le ballon, il est génial. Hop. Voilà, il bougera plus. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Tout ça, c'est vraiment même génial. Donc maintenant que j'ai fait ça, par exemple, si je veux construire une structure, une, je sais pas, tiens, une défense. Poste de garde. Tourelle, piège. Pourquoi je peux pas le fabriquer? Là non plus, je peux pas les fabriquer. Donc là, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Mais alors là... Ça, je peux comprendre qu'il me manque quelque chose. Par contre, ici, je comprends pas pourquoi je peux pas le fabriquer. Est-ce qu'il me faut plus de personnes, peut-être? D'ailleurs, il me faudrait peut-être des lits avant de faire tout ça. Mobilier. Lit. Hop. Alors peut-être que j'ai pas d'espace sur moi pour le construire, simplement. J'aimerais juste avoir un vendeur, ce serait possible ou pas? Je veux juste échanger quelques trucs. Ah, cool. Ah oui, non, tu les échanges. Tu... oui, madame, mais c'est... Enfin... Qu'est-ce que je peux faire? Quel genre d'aide vous avez besoin? Déjà, ça ne vous ferait pas de mal d'avoir de vrais lits. Ça fait trop longtemps qu'on dort par terre. Oui. Je me ferai un plaisir de vous aider. Parfait. Pour l'instant, le principal, c'est qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Certaines de ces vieilles maisons ont encore l'air solides. Il y a un établi là-bas dont vous pouvez vous servir. Oui, pas de souci. Hop. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un, mais... Tab, annulé, hop. Je vais essayer de récupérer tout ce que je peux là-dedans. Et maintenant, hop. Il y a eu un drôle de bruit là quand même, hein. On stocke. On stocke. Ça c'est cool. Ça on recycle, ça on stocke. Ok. Ensuite, ça on recycle. Mobilier. Ça on stocke. Ça on recycle. Je vois, normalement c'est vide. Ok. Donc maintenant, mobilier, lit. Attends, faudrait que j'arrive à me déplacer correctement, mais je peux me déplacer qu'en marche arrière dans ce jeu. Oh mon dieu! Ça va être une véritable horreur à tout placer comme ça.
Ok, en douceur. T'es sérieux là ou pas? Ok, fabriqué. Ok, parfait. Fabriqué. Ok, donc là on a deux lits. Ça c'est pas trop mal. Alors, ils peuvent venir s'y coucher, normalement oui. Bon, faut la forcer un petit peu, mais ça devrait le faire. Ok. Là, c'est complètement cassé. Est-ce que je peux, par exemple... Ah. D'accord. Les fondations, par contre, je peux pas les récupérer. C'est intéressant. Je pourrais quand même en faire ce que je veux derrière. Alors, attendez. Si je peux faire ça là. Faudrait que je vois en mode... Alors, option. Commande. Je peux pas modifier les commandes directement dans le... Bon, c'est naze. Ok, ok. De ce côté-là, on est plutôt bon, si ce n'est que... Hop. Est-ce qu'on pourrait pas directement en faire un dortoir ici, en fait? Donc si je fais, par exemple, structure. Structure en bois. Structure en métal. Là. Ok. Maintenant, faut que je me déplace là-bas, mais c'est compliqué. Hop. Là, ah, ça me semble pas trop mal. Ensuite, j'aimerais revenir en arrière, placer des murs. Ah, mince, comment je m'y déplace? Ok. Hop. Maintenant. Hop. Ça a l'air très très compliqué hein, quand même. Hein. Nom de Dieu. Donc je crois que le jeu est en train de me dire que je me plante.
Hop. Voilà. Faut que j'arrive à me placer comme il faut, c'est ça qui est compliqué dans le jeu apparemment. C'est chiant, le problème des déplacements est très très casse-couille. Ça fait que je vois pas du tout ce que je fais. Une carte, je crois, un coin, voilà. Ok. Ça, je l'ai. Non, ça c'est nul. Mur et toit, c'est pas ce qui m'intéresse. Sol et toit. Ok. Ah, maintenant je me suis reculé un petit peu de trop. Non! Non! Ah merde! Alors. Voilà. Ok, sol et toit. Non, il va me falloir une carte, justement. Il tient absolument à me le mettre comme ça. Ah, puis tu sais pas où est-ce qu'il faut viser pour que ça marche bien. Ah mince, je l'avais, fait chier. C'est vraiment pas intuitif du tout, hein. What the fuck? Et en plus il se met à pleuvoir, non mais lol. Là, l'emplacement, là. Tu te doutes bien qu'il y a un truc qui va pas là. Putain, de jeu de merde. Attends, si je mets bout de couloir, normalement ça devrait le faire. On va bien voir.
Hop, qu'est-ce que ça donne? Cool, c'est pas trop moche. Cool, cool, cool. Bon, on en chie, hein. Au nom de Dieu. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est réussir à faire cet endroit un dortoir. Hop. Hop. Non. Hop. Ok. Ok. Bon, on a des lits. On a des lits un petit peu partout, mais on a des lits. Ça, c'est cool. Alors, est-ce que t'as suffisamment de lits, mon cher bonhomme, sans que tu arrives à parler aux habitants? Bluff. Ah non, c'est pas ça. Parlez à Sturgis. Où est-il? Oui, j'ai bien compris, ma grande. T'as réussi à te coincer? Oh putain. Ok. Hop. Ça me plaît bien. Avoir un endroit où dormir. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une source d'eau propre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Un puits, par exemple. Comme ça, on n'aurait plus à boire l'eau de la rivière. Elle est trop contaminée. D'accord. Ok. Bon. C'est pas très très fun à voir, hein, mais bon, ça permet d'explorer un petit peu le principe, les différents principes du jeu. J'en ferai bien une là, justement. Hop. Ressources. Hop. Eau. Ah, c'est con, je l'avais il y a 2 secondes. Merde. Hop, la voilà. Voilà. Oui, j'ai bien compris, madame. Pardon, j'allais encore appeler mademoiselle. Hey, Sturgis. Je me sens déjà mieux maintenant qu'on a une source d'eau propre à disposition. D'accord. J'espère que je vous en demande pas trop, mais... On commence à être à court de nourriture. Et si on veut s'installer ici... Il va falloir mettre des cultures en place. Je vois. Dites-moi plus. Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Patates, fruits mutants, maïs, tout ce qui peut pousser ici. D'accord. Bon. Hop, essayons de les nourrir un petit peu maintenant. Ah. Voilà. Alors, affecter un ouvrier. Choisir. Placer. Vous devez affecter un ouvrier. D'accord. Mamie. Mince, c'est cette boutouche-là. Ordre. Affecté. Cette ressource est maintenant attribuée. Ok. Il va nous en falloir un peu plus, je pense. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Faudra que je voie créer un étage à ce bâtiment ensuite. Un jour.
Pour l'instant, c'est très très basique quand même. Hein. Bon. Ok, qu'est-ce que t'as ? Les jours sont plus difficiles que d'autres. Mais chaque jour qui passe, c'est plus facile pour nous. D'accord, bah c'est une bonne chose en soi. Mousquet laser. Non, je vais pas le recycler, surtout pas. Je voudrais le modifier par contre, mais je peux pas parce que j'ai pas le... Trouvez juste un bon terrain et plantez ce que vous avez. Ça changera déjà... Ah si, ça je peux le faire ça. Beaucoup d'avoir des aliments frais. Lunettes courtes, donc grossissement amélioré, lunettes moyennes. Viseur lumineux, non certainement pas. Par contre celui-là pourrait être intéressant. Ok, pourquoi pas. Phew, c'est le bordel là-dedans quand même. Hein. Les interfaces sont pas top du jeu, je dois l'admettre. Ça me pète un petit peu à la gueule en fait. Comment je fais pour dormir? Si je dors, est-ce que le temps va passer? Il est minuit, j'aimerais qu'il soit 8h. On va bien voir. Hein. Hop. Parfait. Je suis reposé. Ok. Bon. Ben vous savez quoi? On va laisser téléporter. Hop, quelque part. Genre à Concorde. Et on va aller à la ville d'à côté. On va tenter d'aller en tout cas jusque là. Et on verra bien si on y arrive. Je vous avoue que je suis crispé parce que c'était assez casse-couille à faire le système de building là. Forcément, je m'attendais pas à un jeu trop réussi non plus, mais pas à ce point raté en fait. Canigou, je te suis. D'accord, du vin, pourquoi pas. J'ai ta capsule. Purée minute. Ce qui veut dire aussi normalement que je peux stocker, non? Pas ici, d'accord. Que dans les zones où c'est possible. Coffre-fort, intéressant. Appelez. Ah mince. Un instant, chers amis. Voilà, re, chers amis, donc. Alors, on avait trouvé quoi, hein? 10 000 pistolets. Des cartouches. Une montre à gousset, pourquoi pas. Hop. Là-dedans, on avait du scotch, une tenue décontractée. Lampe sans abat-jour. Bandana rouge, ça peut être fun. Bon, on redescend. J'ai vraiment pas accès au mode de recyclage? Non. Pas grave. Pas grave. Allons-y, on reprend la route. Il y a un truc là-bas à aller voir. Cependant, je dois vous avouer que j'ai pas hyper méga confiance dans la zone. Là-bas, une espèce d'antenne, d'accord. L'antenne relais est là-bas. Juste pour voir. Enfin, 26 points d'XP, pourquoi pas. D'accord. Alors, apparemment, il y a des ennemis, mais je n'ai pas à savoir. Sully Matisse. Un amical. Intéressant ça. Hop. Hop. Ok. Un steam pack je prends. Huile de cuisine je prends. Tatou tabou. Oh, nouveau tatouage de visage débloqué. D'accord, intéressant. Bonjour. Si
pas m'aider, restez pas dans mes pattes. Commençons par parler alors. Ça vous dirait de gagner quelques capsules? J'aurai besoin d'un coup de main quand vous aurez fini de gober les mouches. Demandez de l'argent. Quelques capsules de plus, je pourrais vous aider. Je vous aurais donné quelque chose de toute façon. 75 capsules, ça vous va? Plus d'argent. Je le sens pas trop. Pour quelques capsules de plus, peut-être. Ah, vous êtes coriace. Bon, 100 capsules alors. Hein? Intéressant. Je vais le tenter. Vous voulez que je répare cette pompe, non? Allongez un peu la sauce et je m'en occupe. Ok, 125, mais c'est mon dernier prix. Parfait. Non, autant m'en occuper moi-même. D'accord, je peux vous aider. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? La pompe est pas en très bon état. D'accord. Il doit y avoir des joints pourris qui causent des fuites. Vous pourriez réparer ça? Les fuites doivent être sous l'eau. Vous devriez les trouver en cherchant les bulles. Ok. Ça se tente. Ça m'intrigue qu'il n'y ait pas d'ennemis dans l'eau. Si j'envoyais mon chien? Oh, ce serait sans doute un petit peu trop violent. Hop. On appelle le truc. Ok. Des denrées rares. Toujours sympa. Attends, j'appuie pour qu'il monte ou pour... D'accord. Hop. Aïe. Parfait. C'est bon. Tout prendre. Hop. On descend. C'était pas la meilleure des idées que j'ai eue. Les bulles. Hop. Ok. Au niveau des radiations, c'est trop violent par contre. Là-bas il y en a, et là-bas il y en a. Ok, j'ai vu les trois. Maintenant, faut réussir à les jouer. Alors. Est-ce qu'on a des radaways? Ok, on y va. Hop. Merde. Alors dites-vous que là, en fait, actuellement, la touche espace ne sert absolument pas à remonter. Mais pas du tout. Hop. Allez. La voilà. Parfait. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que je rejoigne le machin là-bas, en bas. Sérieux? Ok, ça pue du cul quand même, hein, cette zone. Hein. C'est vraiment d'une grande violence. Allez, hop. On va se reprendre un radaway. Voire même deux, je pense, au prix qu'on en est. Parfait. Est-ce que j'ai de la bouffe? Parfait. Voilà l'ami. Peut-être qu'en bloquant cette valve, je pourrais augmenter la pression. Oh, je te cause. Pardon. Nickel. À vous l'honneur. Appuyez sur ce bouton au bout de la pompe. Oui monsieur. Où ça exactement? Celui-là. C'est parti. Oula.
Hop. Dégage. Putain, on a pris cher. Viande de rat de cafard. Coup de crame. Où sont les autres? J'ai pas l'impression que le niveau baisse pourtant. Yo. Salut. Les fangeux. M'étonne pas que ça les ait dérangés, ça. Bref, j'ai encore du bricolage à faire sur ce truc. Mais bon, ça devrait plus être difficile. D'accord. Merci du coup de main. Tenez, prenez ça avant de partir. Oh, cool, merci. C'est vraiment sympa de ta part. Level up? Ah non, même pas. Dommage. Du coup, t'as pas autre chose à proposer comme quête? Permettez, je suis occupé. Ah bon, pardon. Excuse-moi. Excuse-toi. Non mais c'est cool hein, écoute, fais comme si j'étais pas... Fais comme si je t'avais pas sauvé la vie en fait. Voilà. Médaillon en argent, ça je peux faire par contre. Ah, je peux transférer... Ah oui d'accord, non, transférer c'est simplement avoir ça. Boîte à drogue. Ouh. Aïe. Voilà. Terminal de carrière Thicket. Boîte à outils. Oh. Parfait. Ça y est. Ouh, sympa. J'aimerais bien que les choses que je trouve ne soient pas... Éjecter le loloband. Loloband, hop. Voilà, j'en ai le soli à joue. Parfait. Sac de couchage, pourquoi pas. Ce qui m'ennuie, c'est que ce soit pas... Enfin... Je m'attendais à ce que ce soit vidé, quoi. Attends, casse-toi, Canigou. Hop, voilà. Ah non, bon. Portons ça aussi. Qu'est-ce que c'est moche, hein. Pousse-toi. Merci. Allez, hop. Au fait. Qu'est-ce que t'as sur toi? Rien du tout. Bon. Ça, ça a le mérite d'être clair. J'ai visité celle-là. Est-ce que tu veux me reparler cette fois-ci ou pas? Excusez-moi. Permettez, je suis occupé. Pas du tout. D'accord. C'est con parce que je trouve que ça pompe pas des masses. Et que j'avais bien envie d'y aller moi. Merde. Bon bah tant pis. Je vois qu'il y a un truc par là-bas, on va aller voir. Donc là c'est la zone de fret. Enfin l'ancienne zone de fret du coup. Je suis en train de rouler de bruit. Pas vous? Marchand de drogue. Intéressant ça. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Salut l'ami! Je suis plus là pour vendre. Troquer. D'accord. Voyons ça. Si vous voyez quelque chose qui vous intéresse.
Addictol. Intéressant. Soigne toutes les dépendances, la gueule. Ah, il va pas tout me prendre, d'accord. Ah, l'interface est la même, ça c'est génial. Je vais t'en donner un. Hop, et je vais accepter. Mais échange, est-ce que tu as des... Non, tu n'as vraiment que de la drogue, tu n'as rien d'autre de plus... Ok, tant pis, bah je te remercie. Est-ce que par contre je peux te piquer par exemple ton... Tu es un récupérateur, épingle à cheveux, il a rien de sympa à récupérer. Costume rayé pourpre, pas intéressant. Continuons. Là, il y a un truc. T'aurais fouillé un peu plus à côté de toi, par contre. Allez, bah alors, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis trompé de bouton. Voilà. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une agression en bonne et due forme. Arme de fortune, fusil. J'aimerais bien trouver un vrai fusil, moi. Ce serait cool. C'est pas par là que je voulais aller là. Garde Bedford. D'accord. Des ghouls. Vas-y, attaque. Raté. Si, j'ai touché. Madame, on se calme. Non. Aïe. Putain, il a perdu un bras. Deux bras. Allez, vas-y, le chien. Parfait. What the fuck? Ok, bon, ça c'est fait. Apparemment. Ok, ça c'est bon aussi. Là-bas, on a un entrepôt, donc j'aimerais bien aller voir l'entrepôt avant. Oh, en fait, l'emplacement de la carrière était magique. What? What the fuck? C'était quoi ça? Bon! Bah c'était d'une grande violence. Ok. Ok, c'est tout ce que t'avais à me dire. Ah oui, t'as pas... Tu m'as... En bloquant cette valve, je pourrais augmenter la pression. Hey, permettez, je... D'accord, t'es occupé, c'est cool. Maintenant je vais retourner voir l'autre tintouin. Faut que je pense à faire des sauvegardes rapides plus souvent. Le personnage est en train de crever sur place, mais c'est pas grave. Ok, il est toujours là. Excusez-moi, hey, mon pote. Vous voulez de la dope? Je veux troquer, j'en veux pas. Annulé, hop. Parfait. Si on se base là-dessus. Oui. Merci. Maintenant, on retourne là-dedans. Ok. Ok.
Ok. Ok. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Alors. Maintenant, on sait qu'à la gare, on a des ghouls. Donc sauvegarde rapide. Niveau 6. Ok. Ok. Attends, je sais qu'il y en a plus, hein. Voilà. Ok. 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 Ok, ça se passe plutôt bien. Maintenant. Puisqu'on n'en a pas encore essayé, on va aller en essayer un. Elle est solide celle-là, dis donc, ouais. Hey. Perds pas la main, hein. Annulé. Ok. Oh, le sac. Bouffe-lui. Bouffe-lui la patte. Aïe. Ok. Ok. Ça me semble pas trop mal. Ça pouvait exploser de partout là-dedans en fait, hein. Terminal de quai de chargement. Qu'est-ce qu'on a là? Afficher les manifestes. Ah. 22, 10, 77. Barre d'acier de grade 4, barre de 4 cases de vrac, une palette, granit, d'accord, et ensuite, fil électrique, bobine, d'accord, ok, intéressant. Ça c'est cool, on a besoin de câbles pour un truc. Je sais plus pourquoi exactement, mais on a besoin de câbles pour quelque chose. Ça j'en suis certain. Oh! Montre à gousset en argent, je prends. Hop. Assiette rouge, par contre, je prends pas. Hein. On en conviendra. Ah, first aid. Parfait. Alors. Est-ce que celui-là, on va pouvoir l'ouvrir, en fait? On peut grimper dedans, peut-être. On pourrait grimper dedans. Est-ce que je pourrais grimper dedans? Apparemment non. C'est mort. Là-dedans, j'ai déjà visité celui-là. Rien non plus. Instruction du Hollandais. Instruction du Hollandais. Donné. Atelier, stat. Inventaire. Alors c'était là-dedans plutôt. Bric-à-brac. Munitions, mode. Divers. Livrez votre colis à la vieille station de commutation. Le coursier sera là à minuit. Si vous avez besoin d'équipement, fouillez dans le baril bleu. Intéressant. Arme de fortune, fusil, baril bleu.
Terminal du chef de gare, on peut voir s'il y a quelque chose. Commande des projecteurs. Diagnostic système. D'accord. Ok. Parfait. J'aime les projos. Comme ça, on saura s'il y a quoi que ce soit. Ok. Il y a un macabé. Avec du Coca-Cola quand même. Et là, là comment le train, on va appeler ça le train. Ok. Un bon paquet de choses quand même hein, dans cet endroit. Ah, on a gagné un niveau, c'est vrai, faut qu'on ait pensé à le mettre. Pensons à dépenser notre niveau. Deux niveaux en plus. Oh dis donc. On est balèze, hein. Ok, dénichant le trésor d'après plus des recherches invisibles, d'accord. Munitions, pour l'instant on n'a pas tant besoin de munitions que ça. Je peux en mettre un là, comme ça je serai à même de faire tous les trucs. Ensuite. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Ça me semble pas trop mal. Le baril bleu, par contre, je l'ai pas trouvé. Le baril bleu. Aucune idée de ce à quoi ça pourrait correspondre, en fait. Le baril bleu. Non. Ah oui, les barils bleus, d'accord. Peut-être autre chose pour courir. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je vais en abandonner quelques-unes. Ou alors me nourrir un petit peu, peut-être. Hop. Ouais, ça pèse rien maintenant. Hop. Hop, voilà. Crac. Alors. Il y a supposément un bonhomme par là, apparemment. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue. En fait, apparemment, le petit indicateur là, c'est censé être un bonhomme. Hein. Ou alors c'est l'autre ville, c'est la quête. Je sais pas. C'est la quête. D'accord. Pourquoi pas alors? Pourquoi pas? Plus là il y a un chemin. Là il y a un rataupe. Couché. Tu es là. Parfait. Alors, on nous demande de monter par là. What the fuck? Cabot errant. Je l'ai pris pour mon pote. Vous me direz, il est pas méga utile, mon pote. Hein. Alors. Alors. Si vous êtes plus que ça, par contre, ça va être douloureux. Les miliciens. Vous n'avez pas demandé de l'aide aux miliciens. Vous êtes des miliciens. Je pensais pas que vous existiez encore. Eh bah si. Il y a un marchand
Retour des miliciens. Ah ah! Une bande de pillards nous harcèle depuis des semaines. Ils nous prennent nos récoltes, notre matériel, et ils menacent de nous tuer si on refuse. Et tu fais quoi avec ton flingue? Mais ils sont trop nombreux pour qu'on puisse leur tenir tête. D'accord. Je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ces pillards. Merci. Si les miliciens redeviennent ce qu'ils étaient, les choses vont s'arranger. Intéressant. Alors, F5. D'accord. Ok. Ils ont des plants récoltés. Ah ah. Non. Non. Si vous n'avez pas encore vu Greg Arden, vous devriez aller. La ferme est entièrement gérée par les robots. Intéressant. J'ai encore rien fait, madame. Alors. What? Bizarre. Ok, bref. Est-ce que je peux quelque chose virer autre chose, pardon. Voilà, ça par exemple. Hop. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai en trop? Parfait. Ça, ça pourrait être intéressant. X, celui-là ressemble à ça, d'accord. Celui-là ressemble à ça, d'accord. Ok, bon. On va cependant se rendre à Sanctuary, chers amis. On est plein à craquer et il va nous falloir des choses un peu plus intéressantes, malheureusement. Hop. Ouais, je vois bien ce qu'il veut dire par la radiation. Mais bon. Alors. Alors, c'est un peu long. J'ai toujours à moitié les boules, normalement trouvées sous le joug d'une attaque. Kanyu a trouvé quelque chose? Ok, si tu le dis. Alors, le bonheur augmente, il nous faut cependant plus de défense et plus de vivres. Ça tombe bien. J'ai ce qu'il faut. Quelque chose vous lie à cet endroit. Votre aine. Hop, voilà. Ressources. Nourriture. Voilà. Jusqu'à 6, ok. 3, 4, 5, 6. Annulé. Ordre. Vous êtes sérieux? Pourquoi je peux pas? D'accord, par au-dessus, ok. Alors, où est-elle? Mamie? Mamie? Ah oh, putain, j'ai perdu la mamie. Non, elle est là, vite, mamie! Mamie, attends! Quelque chose vous lie à cet endroit. Votre énergie. Mon énergie, j'habitais ici. J'ai vécu ici. Il y a bien longtemps. Ah, sauf que le passé lointain ne l'est pas tant que ça pour
Tout à fait. J'ai vu le moment où vous avez quitté votre glacière. Cuve de cryogénisation. Ou incubateur cryogénique. Elle apporte toujours des réponses. Apportez-moi un peu de gel. Ouh. Je verrai ce qu'elle cherche. Plus tard, peut-être. Ordre. Bon, normalement, faut pas que je la fasse à chaque fois venir sur chaque truc, non? Vivre 4? Pourquoi 4? Bah, elle s'est barrée. Où es-tu, mamie? Mamie, où es-tu? J'ai perdu mamie, merde. Mamie? Merde! Où est-ce que c'est coulé? Mamie, vous m'inquiétez un petit peu là, vous avez disparu. Kenigou, retrouve-moi mamie s'il te plaît. On va dormir un petit peu, c'est pas grave. Hop. On va dormir 12 heures, normalement mamie aura un repop quelque part. Mamie! Merde, on a vraiment paumé mamie. Hein. C'est vraiment con ça. La voilà. Ah bah vous le faites tous. Parce que si c'est le cas, c'est cool. Ordre. Voilà. Normalement, on devrait être bon là. Apparemment, ça fait pas, toujours pas suffisamment de choses. Hop. Hop. Vous allez vous nourrir de pommade. Ok. Maintenant. Hop, parfait. J'espère qu'ils vont s'en occuper maintenant. Sturge. Tu es où, Sturge? Tu es là. Hey! Hello? Hey, Sturges. Sturges, pardon. Ça ressemblait à quelque chose. Maintenant qu'on a nos propres cultures, je crois qu'on va être bien ici. Le problème, c'est que plus on va développer ce petit coin, plus on va se faire remarquer. Normal. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on installe des défenses. Comme ça, Preston pourra peut-être se détendre un peu. Quel genre de défense? Quel genre de défense? Murs, sacs de sable, tourelles, tout ce que vous pouvez trouver. D'accord. Bon, ben, chers amis, je pense qu'on fera ça dans le début de l'épisode prochain. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Pyrrhone, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas aussi à pouce vériser les vidéos, à les commenter et à cliquer dans le lien descriptif de l'épisode vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu, chers amis, et je les en remercie. Tout comme je vous remercie, vous, de votre sympathie, de votre fidélité à la chaîne. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. F5. Marche pas.
Hop, F5, et c'est fini.